Et ben bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, et soyez bienvenue pour une toute nouvelle vidéo vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le 21 juillet, et aujourd'hui c'est la fête nationale belge. Donc ainsi pouvoir au titre de la vidéo, aujourd'hui je m'en vais à Bruxelles pour aller voir le défilé du 21 juillet. Donc évidemment il n'y aura pas que le défilé à aller voir, il y aura aussi d'autres choses, donc il y aura des expositions de l'armée, donc de l'armée de l'air, l'armée de terre, des paracommandos, de la marine, etc. Donc voilà, donc on pourra faire plein de choses, on pourra par exemple aller dans un simulateur de vol de F-35, on pourra aussi tester de porter un équipement des paracommandos et plein d'autres choses. Donc voilà, donc aujourd'hui je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Loïc, donc c'est celui qui m'a accompagné pour aller à Rockwater Festival pour aller voir le concert de Muse. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vous emmène avec moi. Et moi, je vous retrouve juste après pour l'outro. Donc à tout de suite. Une fois arrivé à Bruxelles, on a fait un peu de tourisme, donc on a été voir le Manneken Pis, on a été voir la Grand Place de Bruxelles et on a vu aussi le Mont des Arts. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec les images. Après la visite de la ville, on a été voir les expositions de l'armée, donc qui étaient sur la place royale à côté du palais royal, et j'ai pu faire de la simulation en F-35, donc je vous laisse avec les images. Votre attention, ceci est un message de votre commandant. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas tarder à atterrir. La mauvaise, c'est qu'on va se crasher. Après le simulateur de vol, j'ai testé de porter l'équipement des paracommandos. Donc ça va, c'est pas très lourd, c'est juste encombrant. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite.
les gilets jaunes qui défilent.
Donc voilà pour les vidéos du 21 juillet à Bruxelles. Donc franchement, c'était une très belle journée. Donc vous avez pu voir, on a profité pour faire un peu de tourisme. Alors je dois quand même vous avouer que j'ai jamais été voir le Manneken Pis et j'ai jamais vu la Grand Place de Bruxelles. Bon, je sais bien que ça existait, mais je les ai jamais vus en vrai. Donc la seule chose que j'ai vue, c'était l'Atomium. Mais bon, ça c'est quand j'étais petit. Donc voilà, donc franchement, c'était très sympa. Ensuite, quand j'ai vu dans les images, donc j'ai fait la simulation de F-35 où je me suis crashé. Et ensuite, j'ai porté l'uniforme des paracommandos. Donc, franchement, voilà, c'était génial. Donc, juste avant de terminer ces vidéos, je vais quand même vous montrer ce que j'ai ramené du 21 juillet là-bas. Donc, en fait, dans chaque stand, nous avons droit à des petits souvenirs. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai reçu ceci. Donc, c'est une bande dessinée. Donc, c'est Emma et Lucas sont candidats. Ensuite, avec ça, j'ai reçu un bic noir, jaune, rouge. Donc, hop, juste montrer comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons été voir un stand sur la composante médicale. Donc, on nous a donné ceci. Donc, c'est un petit folder sur la composante médicale. Ensuite, quand on était faire la simulation de F-35, j'ai reçu ceci. Donc, c'est un petit badge de l'armée de l'air. Donc, c'est Belgium Air Force. Voilà. Donc, ça va aller dans le décor. Et pour les paracommandos, j'ai reçu ceci. Donc un petit folder des paracommandos. Donc voilà, donc franchement c'était très sympa. Donc encore merci Loïc pour cette très belle journée à Bruxelles. Donc voilà, donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.